très beau temps aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bon, voilà, j'ai eu une idée, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Je me suis dit, pourquoi ne pas présenter mes vidéos de vive voix sur une intro, une petite intro filmée comme celle-là. Pourquoi pas? Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Cela pourrait être bien, hein. Voilà. Je me suis donc, pour cette une des premières vidéos de 2024, je me suis rendu au château de Chanteperle, à La Bâtie, en Savoie, en Tarentaise, à côté d'Albertville. Ce sont les ruines d'un château médiéval du XIIIe siècle. C'est pas mal en ruine, hein, mais par contre, il y a encore deux tours, une tour carrée, une tour ronde, relativement bon état. Bon, je parle des murs, hein, je parle pas de l'intérieur. Quoique l'intérieur, vous pouvez apercevoir les niveaux des planchers, les traces des cheminées. Vous allez voir, c'est assez beau et impressionnant. Certaines parties sont encore pas trop mal conservées, en fait. Donc, j'ai mis des textes explicatifs sur l'histoire du château, sur les principaux bâtiments du site. Voilà, pour agrémenter un peu cette vidéo. Donc, voilà, les amis. Bon, c'est un peu décousu tout ce que je dis, j'espère que vous comprenez, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc désolé, hein, je m'en voudrais pas. Bon. Voilà les amis, je vais vous laisser regarder la vidéo tranquille, voilà. Bon visionnage à tous, et on se retrouve pour une prochaine balade. Hein. Voilà, et encore merci à tous mes abonnés qui me laissent des commentaires super sympathiques. Donc une personne qui me laisse des commentaires explicatifs, historiques, alors, se reconnaîtra cette personne. C'est vraiment génial ce qu'elle me fait, hein, parce que franchement, j'en apprends avec cette personne, j'en apprends, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc même si vous n'êtes pas abonné, merci aussi si vous la regardez, hein, mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous désirez, hein, je ne force personne, hein, c'est gratuit, bien sûr. Une dame m'a demandé si l'abonnement était payant l'autre jour. Je dis non, c'est pas payant, vous pouvez y aller, vous pouvez vous abonner, c'est tout gratuit. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir mon petit café. Et je vous dis donc à bientôt. Et je vous laisse visionner la vidéo. Salut les amis. On y va. Bonjour à tous et toutes. Donc, pour une de mes premières toute première sortie de l'année 2024, je vais attaquer à peu près sérieusement, je vous emmène visiter les ruines du château médiéval de La Bâtie. C'est le château de Chanteperle, appelé aussi le château Saint-Didier, sur la commune de La Bâtie. Bon. Voilà les amis, ben, on va monter tout de suite parce que j'ai peur que le soleil se couche. Après, j'ai pas envie d'être dans l'ombre. Allez, on est parti, on grimpe. Et la grimpée est un peu raide pour y aller. Non, sérieux, pas long, mais raide. Allez, on y va. Donc voilà le point de départ, hein, château de Chanteperle, 500 mètres de petite crapa hutte. Ah, par contre le chemin m'a l'air bien boueux et très glissant, donc il va falloir faire très attention. Hein. Allez, ça coule, ça ruisselle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je marche dans un ruisseau. On va essayer de pas tomber. J'espère que mes chaussures sont bien étanches. Allez, on y va. Hop là, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, je vais couper, c'est trop dangereux. Hein.
Regardez ça. On marche littéralement dans un ruisseau. Le chemin, c'est un ruisseau. On va prendre nos précautions. Voilà, donc normalement au-dessus, ça devrait aller un peu mieux. Par contre, je ne me souvenais plus que c'était aussi raide. Allez, on y va. Une vraie patinoire. Allez, on continue. Je coupe les amis. Hein. Parce que là, il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Je vous reprends après. Voilà, on est sorti du bourbier. Le sentier est un peu plus sec là. En fait, c'est humide de partout. Hein. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Non, je plaisante. J'adore ce château, j'adore Cervine. Heureux d'y être. Même si on patauge. Allez, cette boue. Regardez cette bouillasse. Le chemin n'est pas long, mais il faut le mériter quand même. Regardez, on commence à voir une partie du château là-haut. Voilà. En fait, c'est un ruisseau tout le long, hein, tout le long du chemin. Pratiquement. Allez, on va continuer à patauger. C'est parti. Heureusement que mes chaussures sont bien étanches. Hein. Pas venir en basket là. Là, vous avez déjà une très belle vue sur la tour carrée. Hein. Très très belle vue sur la tour carrée. C'est magnifique. Là, vous allez voir une fois que vous allez y être. Avec moi là-haut, vous allez voir comme c'est beau. Par contre, le vent se lève un peu. Hein. Encore quelques mètres et on y est. Château de Chantemerle, altitude 435 mètres. Bon, ça va, c'est pas très haut. Regardez, une fois qu'on est proche, c'est beaucoup plus impressionnant. Ça devait être une sacrée bâtisse. Il date du 13e siècle. Il date du 13e siècle. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent. Alors je vais parler un peu fort, bon j'ai l'impression que je suis tout seul. Heureusement, parce que j'ai toujours ma timidité qui traîne. Hein. Voilà, nous sommes arrivés donc au château de Chantemerle, à La Bâtie, en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise. Pas confondre avec la Maurienne, genre là je vais me faire taper sur les doigts. Pas que je dise de bêtises. Non, elles sont aussi belles l'une que l'autre, deux vallées avec des balades magnifiques. Je les aime autant l'une que l'autre. Hein. Une petite préférence pour la Maurienne quand même. Petite préférence pour la Maurienne. Mais bon, la Tarentaise, c'est beau à voir aussi. Voilà. Bon, allez, on va visiter un peu ce château. Le vent se lève. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez, c'est parti. On y va. On va passer par cette petite porte. Voilà. Il y a quand même, ils annoncent quand même le danger hein, de chute de pierre et d'éboulement. Donc là, la tour carrée. Mais là, j'ai le soleil qui me gêne un peu. Ça ira mieux tout à l'heure. Donc on vient de passer là. Là, on est au pied de la tour en fait. Alors là, ce que vous voyez là, c'était la cour intérieure. Voilà. Donc ce qui reste des bâtisses, hein, ça devait être les... Je sais pas en fait.
va essayer d'avancer. Je suis désolé, on est un peu dans l'ombre. Hein. Le soleil est derrière, mais... Voilà, regardez un petit peu, moi, je trouve ces ruines magnifiques. Hein. Ça fait un moment que j'avais envie d'y revenir. Je suis venu ici il y a à peu près un an. 10-11 mois, je crois. Mais j'avais pas le matériel que j'ai là, donc je pense que le rendu sera un peu meilleur. Alors là, je sais pas ce qu'est cette petite cabane. Mais bon, elle n'est pas d'époque. Elle n'est pas du 13e, celle-là. Elle n'est pas du 13e siècle. Alors, l'entrée de la tour, si je me souviens bien, était à ce niveau-là que vous voyez là. C'était la porte d'entrée. Voilà. Donc, il va y avoir un mur ou des escaliers à l'époque. Ou un chemin de garde, peut-être. Regardez, là, vous voyez, vous avez ce qui reste des planchers. Les trous qui soutenaient les poutres. Je suis tout seul, c'est bien. Comme ça, au moins, j'ai pas peur de causer. Voilà. Regardez ça un petit peu. Ah, c'est la végétation bien repoussée droit. Hein. Voilà. Mais encore ça va, c'est quand même pas mal intact. Là vous avez encore des parties de la cheminée qui sont sculptées. Regardez. Ah, c'est vraiment magnifique. Ces constructions qu'ils faisaient à l'époque, c'était incroyable. Des génies. Même maintenant ils feraient pas pareil. Je tremble, je suis désolé. Oui, je vous mettrai l'historique du château en début de vidéo parce que je pourrais le dire à vive voix, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge et que je ne m'exprime pas vraiment top, comme on dit, vous avez dû remarquer, je présume. Je vous mettrai historique au début. Ce sera quand même plus probant pour moi. Pour vous. Plus compréhensible. Hop, le soleil. Coucou soleil. Alors là, vous voyez, je ne pense pas que cette gaine soit du 13e siècle. Hein. Ah, peut-être, je sais pas, faudrait demander. Non, je rigole. Ça choque un peu, ça jure un petit peu sur le reste du décor en fait. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste qu'un bout de tuyau. Hein. On distingue bien l'emplacement de la cheminée. Avec ces beaux décors. Ces belles petites sculptures qui sont encore là. C'est incroyable que ça se soit gardé dans le temps. Quoi. Décidément, j'ai du mal à causer. Hein. Oh là 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 là. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je sais bien que vous m'en voulez pas, mais bon. Allez, on va aller voir la tour carrée maintenant.
sens qu'il y a du monde. Carré. Nous allons entrer dans la tour du coup. On va rencontrer des gens bien sympathiques. Bien sympathiques. Avec deux chiens magnifiques, dont un loup tchèque. J'adore ces animaux. Voilà, nous sommes dans la tour. Débargadeur. Regardez donc, il y a même un bout de planche pour mettre mon trépied. Donc là, je me trouve dans la tour carrée du château de Champmerle. Donc voilà. Donc une tour qui avait donc 4 niveaux en fait, oui, c'est ça, 4 niveaux. Alors, je ne sais pas si c'était la tour d'habitation, il me semble que non. Je pense que c'était, elle servait de surveillance. Je dis ça un peu au hasard. Je sais que la tour ronde, elle servait d'habitation. C'est ce que l'on m'a dit. Voilà. Que j'ai déjà fait une petite vidéo avec des photos, il y a à peu près un an, mais bon, c'est... Voilà. Voilà. C'était pas mal, c'était bien sympa. En plus, j'étais venu avec une amie qui l'a découvert comme moi. Et... Ça ne fera pas une vidéo bien longue, mais bien intéressante, j'espère, pour vous. Voilà, allez, on va continuer. Désolé si je tremble un peu. Il fait pas tant chaud ici. Regardez ça. Même que c'est des ruines, hein, c'est quand même bien conservé. Ce que vous allez voir encore. Donc, les niveaux des planchers, les principaux niveaux. Donc, il va y en avoir 1, 2, 3 niveaux, 3 ou 4 niveaux. On voit encore la trace de la cheminée ici. Voilà. Bon, ben voilà, les amis, cette petite visite au château de Champmerle se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on est en vallée de parenthèse, hein. Donc château de Champmerle, château de Saint-Didier aussi il l'appelle, et à la bâtie, voilà. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser, je vais me rentrer dans mes pénates, attaquer le montage, et je vous dis à la prochaine. Donc voilà, c'est une de mes toutes premières vidéos de 2024. À la prochaine vidéo, et à bientôt. Ciao tout le monde.